Eh bien voilà, on se retrouve à nouveau pour reparler du prochain spectacle de cette saison du Théâtre Jean Vuillard à la Salle Polyvalente. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de Noémie Boutin. Noémie Boutin, c'est une jeune violoncelliste, déjà très très remarquée. Alors elle a, il faut dire qu'elle a ça de particulier, qu'à l'âge de 14 ans, elle est entrée, je laisse passer le camion, elle est entrée au Conservatoire National Supérieur de Paris. Et bien ça, je peux vous dire que ça n'est pas donné à tout le monde et c'est le signe d'un grand talent. Et alors Noémie, après ses études brillantes, elle aurait pu, comme beaucoup de ses congénères, entrer dans un orchestre très prestigieux, y mener une carrière de soliste. Mais elle a préféré suivre les chemins plus escarpés d'une carrière indépendante. C'est son côté un peu rock'n'roll, on va dire. Et c'est comme ça que nous, on a eu l'idée de l'inviter à venir ben justement nous faire visiter un peu ses jardins intérieurs. Donc elle va nous jouer bien sûr du violoncelle. On est heureux de pouvoir l'entendre parce que vraiment, elle joue particulièrement bien. Et c'est suite de Jean-Sébastien Bach que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est l'occasion de les redécouvrir, de les réentendre. Et puis pour ceux qui ne les connaissent pas, ben, de découvrir vraiment peut-être un des monuments de la musique pour cet instrument, le violoncelle. Et également des pièces de Britten, des pièces d'amis de Noémie. Et ce que le concert aura de particulier encore, c'est qu'elle ne s'interdira pas de nous parler entre les pièces et de nous dire ben, qu'est-ce qui fait son amour de ses musiques, etc. Et ça nous promet donc une soirée un petit peu sous le signe de la convivialité et sous le charme de la présence très particulière de Noémie. Voilà, c'est donc jeudi 13 avril à 20h30 à la Salle Polyvalente, comme à l'habitude. À bientôt.